bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo page de scrapbooking. Voilà, quoi dire de plus? Ouais, je crois que je vais arrêter mes présentations et je vais vous lancer directement les trucs, hein, les pages. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous lance donc ce papa tout de suite et je reviens tout de suite. Pour cette page, on va partir sur du papier aquarelle, donc blanc. Et on va lui faire un fond vert. Donc là, je prends le E-Zinc. Bon, j'en ai quasiment plus. Donc celui-ci, c'est menthe. Hop, de l'eau qui doit être juste là. Un petit peu d'eau. Normalement j'ai un autre verre. Hop 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 hop, non c'est pas ça. Ça va être le dernier truc que je vais prendre, c'est ça? C'est ça. Donc là c'est émeraude. Tendance le vert cette année. Hop. Bon, j'ai oublié de mettre en registre. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le pochoir organique. C'est orga ou organique. J'ai fait du modeling paste qui est dans les tons verts. Voilà, et je vais en mettre tout autour. Pas tout autour. Hop, 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 hop. Hop. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bombe verte claire et une bombe blanche. Et en fait, hop, je vais faire un petit truc comme ça. Hop, je vais mettre du blanc au milieu. Voilà, et je vais retirer le pochoir. Voilà. Donc je vais un peu continuer le fond avec quelques petits tampons tâches. Hop. Donc avec la couleur menthe. Voilà, je vais faire des grosses, je vais faire des petites. En gros, je crois que je vais toutes les utiliser. Le gros là. Hop. Je vais utiliser que ça. Ensuite, je vais prendre des mots.
des tampons d'Imoro. Pour photographie. En fait, j'aurais dû y penser avant. Avant de faire le modeling pass, parce que là, je suis un peu bloqué. Alors, je vais prendre ça. Voilà, ensuite je vais prendre mon encre noire qui est juste ici. Je vais prendre celui-ci, hop, je le nettoie un peu à l'arrache. De toute façon, il faudrait que je nettoie tous mes tampons. Et en gros, donc j'ai dit le noir. Hop. Voilà. Donc ensuite je vais faire un matage à ma photo. Donc la dernière fois j'ai fait un petit matage blanc, donc là je vais faire un petit matage noir. Hop, vu que ma page est blanche, en fait en gros je fais l'inverse. Quand la page est blanche, je fais un matage noir, et quand la page est noire, je fais un matage blanc. Ouais, c'est drôle. Voilà. Tac, tac. Donc pistolet à colle, et en fait je crois que je vais pas trop la surcharger, c'est à dire que je vais mettre, je crois que je vais juste coller ma photo, garder le fond, pas mettre d'étiquette sur celle-ci. Voilà. Je prends le mot nature que je mets souvent en cadeau dans les commandes. Hop. Et je vais le coller. Hop. Et je crois que je vais rester là-dessus. Donc voilà, de plus près, donc vous avez le gros pochoir juste ici, les tamponnages de taches de chevrons. Voilà. Donc voici ma page, comme vous avez pu la voir. Quoi dire de plus sur cette page? J'ai pas voulu trop surcharger le fond. Donc le fond, j'ai utilisé le pochoir large orga, le tampon tache et les tampons chevrons. Voilà. Donc je sais pas si vous aviez déjà remarqué sur mais en fait les tampons se superposent. Voilà, j'ai oublié de le dire sur la vidéo. Voilà, et j'ai mis un petit mot que vous recevez quand vous commandez. Donc là, le nature, souvent je le mets en cadeau en ce moment vu que c'est l'été et c'est la nature, tout ça tout ça. Voilà, il y a des changements de luminosité dès que je bouge. Je vais arrêter là. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Voilà, pouce bleu, commentaire, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.